Et à la cool les gars, à la cool aujourd'hui, à la cool, sans stress. J'espère que ça va les amis, j'espère que ça va vraiment de votre côté. Voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur deux enceintes que j'aime beaucoup. Alors, en premier lieu, les JBL L112 que je vous ai pas présenté encore, ça viendra plus tard. Et ensuite les Sony SSG4D. Alors voilà, ce sont deux paires d'enceintes que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Bah écoute, pourquoi ? Va savoir. Déjà, ces deux enceintes vintage, ce sont deux grosses bibliothèques, enfin surtout pour la JBL L112, que j'ai recherché depuis très longtemps parce que je la voulais en parfait état. C'est une enceinte de collection. Et la G4 qui est, on va dire, que j'ai moins recherché. En fait, je suis tombé dessus voilà, par hasard. J'ai fait réparer le tweeter chez la clinique du haut-parleur parce qu'il était défectueux. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai connu Christophe de la clinique du haut-parleur. Et en même temps, bon, voilà, c'était des enceintes que j'ai toujours voulu. Depuis un moment, je les recherchais, tu vois aussi, mais c'est pareil, on les trouve pas à tous les coins de rue. Donc voilà, là, aujourd'hui, on va faire un petit comparatif vraiment sympathique, les gars, avec ces deux enceintes-là. À savoir que la JBL, forcément, c'est une JBL qui est très analytique, qui est dans la pureté du son, voilà, dans... Enfin, pour moi, cette JBL là, la L112, c'est quelque chose de monstrueux. Voilà, JBL a fait quelque chose de pointilleux. En plus de ça, j'ai fait faire des pieds sur mesure, donc qui correspondent à la hauteur des enceintes. Je vais te montrer ça tout de suite. Regarde. En fait, ça correspond à ma hauteur d'écoute. Tu vois, quand je suis assis dans le canapé, donc là, les pieds, c'est des pieds en chaîne, chaîne massif. Comme tu peux voir, fabrication artisanale du plus bel effet et sur le rendu aussi sonore qui va y jouer forcément. Donc moi, tu vois, sur mon sweet spot qui est là-bas, forcément, je suis parfaitement placé pour pouvoir écouter ces belles enceintes. Après, pour les Sony SSG4, donc là, tu vois, elles méritent un petit rafraîchissement. Je leur referai plus tard une belle gueule, comme on dit. Que tu vois, elles ont subi le temps. Bon, après, la personne qui les utilisait, elle faisait des petits concerts avec ces petites G4. Même si c'est pas des enceintes faites pour ça, bah écoute, elles ont subi les choses les choses du temps. Voilà. C'est vrai qu'elles sont pas forcément en parfait état esthétique, mais tu vois, même le médium que j'ai fait revenir, bon après c'est pas évident à faire revenir, hein. Même avec un aspirateur, tu vois, il est pas revenu parfaitement, mais bon après voilà, c'est. Dans tous les cas, elle fonctionne à merveille. Là vous avez les quatre qui tournent. Et ce sont des enceintes vraiment magiques à mon goût. Voilà, c'est des enceintes que l'on va dire différentes. Différentes pourquoi ? Parce que t'en as une qui va être bien sur tout type de musique et l'autre qui va être vraiment dans l'analyse du spectre sonore. C'est un truc de dingue sur les JBL, comment elles analysent tout. Tout est... L'enregistrement va être pourri, bah, elles te le diront. Elles vont te mettre la puce à l'oreille en te disant là, ton enregistrement, tu peux le jeter à la poubelle et mettre une autre musique, tout simplement. Ah voilà. Là les gars, je suis en mode, t'as vu, petit son cool, alors voilà. Je parle en mode décontracté, on est bien. Voilà. Donc on va faire une petite écoute comparative entre les deux. Donc voilà, après ça va être deux genres différents. Bon, moi ma préférence va pour les JBL L112. Ça, vous vous en douterez. Même si franchement les G4, elles n'ont pas à démordre parce qu'elles ont vraiment aussi une belle qualité de son qui est très neutre, qui est très à les poser sur tout type de musique en fait. Voilà, donc ça c'est aussi super agréable. C'est à dire que quand tu vas mettre des enregistrements qui datent de l'époque, et eh ben du coup ça va passer crème.
Voilà. Par contre, sur les L112, si l'enregistrement n'est pas bon, t'en prends plein les oreilles, mais aussi bien en mal qu'en bon. Donc attention, attention, attention. Donc voilà les gars. Bon, et eh ben écoutez, on va se faire la petite écoute. Donc toujours, toujours sur mon petit ensemble Kenwood. Kenwood L1000C, L1000M. Donc là, tu vois, j'avais les quatre de branchés. Voilà. Donc là, c'est les JBL qui tournent. Et là, c'est les Sony. Alors, il y a aussi une chose à préciser, les gars, regardez. C'est que sur ces borniers d'enceinte, tu pouvais mettre que du câble vraiment très, très, très fin. D'où le fait qu'à l'époque, tu vois, ils étaient pas. Ils étaient vraiment pas à cheval sur sur le câble, le câblage d'enceinte en fait. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il soit fin, mais derrière qu'il soit de qualité. Et c'est pour ça que la grosseur du câble, je me dis, bah moi après dans ma propre vérité du câble, je me dis voilà, ça sert à rien d'avoir forcément des gros câbles, mais que derrière t'aies du câble de qualité en fait, même s'il est fin, qu'il soit le plus pur possible, qu'il soit en argent ou en cuivre. Voilà. Après ça, c'est ma propre théorie, les amis, parce que je me dis pourquoi à l'époque, dans des enceintes de ce gabarit-là, avec une telle qualité, pourquoi ils mettaient du câble aussi fin? Parce que là, je te dis que le câble, il est vraiment. On est sur du 1,5. 1,5. Parce que tu veux mettre plus gros, c'est mort, ça rentre pas. Donc voilà, les gars. Petite écoute maintenant. Allez, on va se faire les petites écoutes tranquillou. Alors, voyons voir qu'est-ce que j'ai sous le coude. Qu'est-ce que j'ai sous le coude? Ça, on va enlever. Allez, à Ronoda, c'est parti. Il me semble qu'on est sur les JBL, les gars. Ah non, même pas. On est sur les Sony. Sur les JBL, il y a un tel degré de précision qui se passe. L'image stéréophonique est géniale, c'est magnifique. Et en même temps, t'as de l'ampleur, quoi. Tu vois, ça prend toute l'envergure de la pièce. Et pourtant, là, elles sont pas placées forcément idéalement, parce que moi, je les place un petit peu plus écartées, avec un pincement donc vers l'auditeur, pour avoir vraiment une scène stéréo qui soit voilà, c'est au top. Bon, après là par contre, t'as aussi quelque chose, c'est que les JBL elles sont miroirs. Regarde pourquoi. Le médium à l'intérieur. Tu vois, j'ai fait exprès de mettre le médium à l'intérieur, de sorte à avoir un son qui est plus centré sur moi. Tu vois, donc là en fait.
Après, ça, c'est mon essai. Mais on fera des essais avec les enceintes. Le jour où vous ferez que des vidéos sur les JBL, on fera que des écoutes où je vous ferai les écoutes, les JBL avec le médium à l'intérieur. Ou alors, excentré à l'extérieur avec donc les tweeters à l'intérieur. Voilà. Allez, c'est parti, on continue. Avec du son un petit peu plus lounge, house. Grave, il est très 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 loin. Allez, petit changement. Là, le son est direct beaucoup plus centré. Est assez serré, c'est plutôt rond. T'as vu l'ampleur ? En même temps les gars, j'ai envie de vous dire que c'est un duel qui est un petit peu à l'avantage des JBL parce que déjà elles sont à 30 cm, les Sony ont entre un 25, mais pour vous dire que voilà, même s'il y a des différences de taille, de volume, les Sony elles sont pas à déborder. Franchement, je vous cache pas qu'elles sont très polyvalentes, les Sony. C'est ça qu'il faut leur adjoindre. Leur neutralité leur donne une polyvalence qui est assez exceptionnelle, j'ai envie de dire. Par rapport au prix. Oui, au prix, oui, parce qu'en fait, c'est des enceintes qu'on trouve pas beaucoup, mais quand on en trouve, elles sont pas forcément chères. Et du coup, voilà, c'est des enceintes de très bonne qualité. Surtout le médium. Moi j'accorde beaucoup d'importance au médium qui est. Là tu vois, je suis en train de le regarder là. Tu vois, il me titille les yeux, les oreilles. Non mais pour te dire que voilà, c'est vraiment un très bon atout sur la G4. Le médium est une très bonne qualité, je trouve que c'est un très bon haut-parleur. Ils ont mis dedans chez Sony. Et même le grave, hein, même le grave, voilà, ça tient la route. Voilà, c'est. L'aigu est un petit peu en dessous, il va pas être montant forcément, mais après voilà, je vais te dire, pour le prix on va pas chipoter, allez c'est parti les gars. Ah, les JBL elles sont vraiment énormes. Franchement, je vous cache pas les gars. Là, on regarde les vibrations. Changement.
impressionnant le son qui en découle. Ça marche, hein. Ah oui. Bon les gars, on va changer de son un petit peu. On va mettre un autre style.